siège, remercier et les amis du monde diplomatique et le collectif Montpelliérain de soutien au peuple grec de m'avoir invité à venir parler ce soir. J'ai aussi le plaisir de retrouver quelques amis, puisque il se trouve que j'ai vécu à Montpellier dans une autre vie il y a très longtemps, mais c'est toujours très agréable de retrouver quelques amis quand on est de passage comme cela. Pour me présenter un tout petit peu plus, je suis effectivement historien de formation, journaliste, écrivain. En tant que journaliste, j'ai un petit peu deux activités. Je collabore effectivement depuis fort longtemps déjà, plus de 20 ans au monde diplomatique, où j'écris régulièrement sur les Balkans. Et puis j'anime avec quelques collègues le Courrier des Balkans, qui est un site internet d'information sur tous ces pays d'Europe du Sud-Est, c'est-à-dire la Grèce, mais aussi bien sûr tous les pays de l'ancienne Yougoslavie, ainsi que l'Albanie, la Bulgarie, la Roumanie et même la Turquie et la Moldavie, ce qui fait donc effectivement, je crois, 13 pays. Le Courrier des Balkans est donc un site internet d'information qui tous les jours publie entre 4 et 5 articles, entre 3 et 5 articles sur l'actualité politique, économique, sociale de tous les pays d'Europe du Sud-Est. Et le Courrier des Balkans est un site qui vit des abonnements de ses lecteurs. Donc je vous invite à lire le Courrier des Balkans et à vous abonner. C'est en vous abonnant que vous permettez au Courrier des Balkans de poursuivre son aventure et de garantir son indépendance. Le Courrier des Balkans existe depuis 21 ans. On a fêté là juste le week-end dernier le 21e anniversaire. Alors, le thème qu'on m'a demandé d'aborder ce soir, géopolitique de la Grèce et de ses voisins, et les Balkans et la Turquie, c'est bien sûr un thème qui est complexe, où l'on peut un petit peu, comment dire, un écheveau où on peut tirer différents fils dans différents sens. Je vais essayer d'en tirer quelques-uns, je ne vais pas épuiser le sujet, bien évidemment, mais essayer de tirer quelques fils qui ont du sens et qui nous amènent à des problèmes aujourd'hui importants, non seulement pour la Grèce, pour les citoyens qui vivent en Grèce, pour les pays voisins, les pays de la région, mais plus largement pour nous tous en Europe. Alors, j'ai envie de commencer en m'interrogeant finalement sur ce mot de Balkan. Souvent, quand je fais des conférences sur les Balkans, je demande aux gens « Bon, mais les Balkans, c'est quoi ?» Et j'ai des réponses variables. Les gens souvent me citent certains des pays de l'ancienne Yougoslavie, parfois la Bulgarie. Et puis, il y a souvent un moment d'hésitation, d'ailleurs, sur la Grèce. Ah, la Grèce, peut-être que pas. Alors, qu'est-ce que c'est les Balkans? Pour commencer, le mot de Balkan, le mot lui-même, c'est l'appellation que les Turcs avaient donnée à une montagne qui se trouve en Bulgarie, que les Bulgares eux-mêmes appellent la Stara Planina, la vieille montagne. Et c'est au début du 19e siècle qu'il y a un géographe allemand, Zöhn, qui a été le premier à utiliser ce mot de Balkan pour désigner un espace beaucoup plus vaste. Grosso modo, toute l'Europe du Sud-Est. Un espace que l'on appelait autrefois plutôt la Turquie d'Europe. Parce que ce qui caractérise cet espace, c'est d'avoir fait partie, durant des siècles, de l'Empire ottoman. On ne parle pas d'une occupation de quelques années, on parle d'une présence ottomane qui a duré, selon les régions, 5 ou 6 siècles. Ce qui n'est donc pas tout à fait un court séjour. Pour autant, le terme de Balkan n'a jamais eu de définition stricte. Si je vous dis la péninsule ibérique, c'est clair, c'est ce qui est au sud de la barrière des Pyrénées. Qu'il y ait deux États, qu'il y en ait trois, ça ne change rien. On voit ce que c'est la péninsule ibérique. Dans le cas des Balkans, par contre, on ne sait pas exactement où ça commence et où ça s'arrête. Et certains pays ont toujours tendance à dire « Non, les Balkans, c'est pas nous, c'est le voisin. Nous, on est, alors tout ce que l'on veut, on est méditerranéen, hein, on est centre-européen, on n'est pas balkanique. » Parce que ce terme de Balkan a très vite, a presque immédiatement acquis une connotation négative, péjorative. En fait, le terme de Balkan, son usage dans le monde occidental, s'est répandu en même temps que celui d'un autre terme, celui de balkanisation. Alors, balkanisation, on n'est pas dans le registre
dans le lexique de la géographie, on est peut-être dans le lexique de la science politique. Ça désigne un processus d'éclatement, d'émiettement, et qui serait forcément négatif. Les Balkans, marqués par la balkanisation, ils se construisent dans le regard occidental comme un espace différent de l'Europe occidentale. Un espace marqué par une grande diversité de langues, de peuples, de religions, mais une diversité menaçante, négative, qui n'est pas perçue positivement. C'est pour cela que certains ont toujours tendance à dire « Non, non, les Balkans, c'est pas nous, c'est le voisin. » En réalité, cette image des Balkans, elle s'est construite pour marquer quelque chose qui serait différent. Vous avez peut-être sûrement entendu parler du grand intellectuel palestinien Edward Said, qui a théorisé la notion d'orientalisme, c'est-à-dire la manière dont l'Occident a créé sa vision de l'Orient. En s'inspirant des travaux d'Edward Said, il y a des gens dans les Balkans, notamment une grande historienne bulgare qui s'appelle Maria Todorova, qui ont travaillé sur la manière dont l'Occident regardait les Balkans. Pour arriver un petit peu à la conclusion que les Balkans occupaient une sorte de position intermédiaire, une sorte d'Occident raté, qui n'aurait pas réussi à accéder au niveau supposé de civilisation et de bonne gouvernance qui serait celui de l'Occident. Je parle bien sûr des représentations, je ne reprends pas à moi ce genre, à mon compte ce genre de stéréotype, pour que vous compreniez bien comment les choses se sont posées dans le regard occidental. Dans le cas de la Grèce, pour revenir à elle, on a pu lire ces 10 dernières années dans des articles très sérieux, même dans des travaux scientifiques, ou en tout cas des choses pas du tout farfelues, que la Grèce était revenue dans les Balkans. Dans cette perception occidentale, si la Grèce était depuis 1981 membre de l'Union européenne, elle ne pouvait plus faire partie des Balkans. Elle avait accédé à un autre espace politique, mais en s'enfonçant dans la crise, elle revenait à une sorte de balkanisme caractérisé par tout ce que vous voulez, alors la corruption, la mauvaise gouvernance, le népotisme, le clientélisme, tout ce genre de choses qui, bien évidemment, on le sait très bien, n'existent en aucun cas chez nous. La Grèce a occupé très tôt une place particulière dans l'imaginaire occidental, marquée au sceau de la déception. Dès le XVIIIe siècle. Dès le XVIIIe siècle, vous avez énormément de jeunes gens de bonne famille, de France, d'Allemagne, de Grande-Bretagne, qui font ce que l'on appelle le Grand Tour. Le Grand Tour, ça consistait à partir pour aller voir les chefs-d'œuvre légués par l'Antiquité classique, les antiquités romaines et grecques. Et ces jeunes gens, pétris de lecture de leurs classiques, pensaient arriver dans une sorte d'Arcadie, de pays ressemblant à ce qu'était, selon eux, dans leur vision, la Grèce antique. Au lieu de ça, ils sont tombés sur un peuple de paysans plutôt misérables, de popes aux soutanes crasseuses, avec des restes de soupe dans la barbe, de fonctionnaires ottomans, souvent effectivement assez corrompus, du moins très tatillons, et ils se sont dit « mais c'est pas possible, où sont passés les héros de l'Antiquité ?» Et dès ce moment-là, il y a une sorte d'incompréhension qui s'est créée. Comment la Grèce est le berceau de notre civilisation, mais voilà ce qu'elle est devenue. Nous avons par contre su préserver, faire fructifier cet héritage classique, mais la Grèce, elle, alors pour quelle raison? Peut-être la présence ottomane a pris un mauvais chemin. Vous avez dans ces déçus, on pourrait citer énormément d'auteurs, il y a quelqu'un que j'aime particulièrement, un certain Edmond Abou, qui a sûrement écrit les livres les plus fielleux possibles sur la Grèce au XIXe siècle. Il avait une certaine plume, il est mort académicien, bien sûr. Une fois, il écrit comme ça, que, à propos de Corinthe, cette ville qui a produit tant de chefs-d'œuvre, qui ne produit plus que des raisins secs. On pourra en citer beaucoup des perles d'Edmond Abou. Ce qui est assez amusant, c'est quand on met certains textes d'Edmond Abou côte à côte avec des écrits tout à fait contemporains de certains de mes éminents confrères, Jean Quatremer ou d'autres, on tombe sur des similitudes étonnantes. On pourrait vraiment juxtaposer les textes et parfois on ne saurait plus bien qui les a signés. Le regard sur la Grèce est un regard qui s'inscrit dans un regard plus large,
sur cette région, toujours donc un petit peu compliquée, qui serait, cette région des Balkans, qui serait une région un petit peu compliquée. Alors, pour essayer, non plus de définir en creux, mais de définir en positif, qu'est-ce que c'est que les Balkans? Qu'est-ce qui pourrait les caractériser? Là, il faut revenir, bien évidemment, à cet héritage ottoman. L'héritage ottoman, il est sensible de mille manières. Vous prenez, par exemple, vous avez des mots communs en grec, en albanais, en serbe, en bulgare. C'est quoi? C'est les mots de la maison, de la nourriture, de l'habillement, de la civilisation matérielle. Parce que la civilisation matérielle, elle a été profondément marquée par ces 5 ou 6 siècles de présence ottomane. L'Empire, et ça c'est un point qui est très important, ne connaissait pas de catégorie nationale. Dans l'Empire, vous aviez 2 grandes catégories de sujets. Vous aviez les musulmans, puisque l'Empire était un empire musulman, dont le chef, le sultan, était également calife, qui est un titre religieux. Et puis les communautés protégées, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens. Protégés conformément à la tradition de l'islam, on reconnaît et appelle à protéger les peuples du livre. Dans l'histoire de l'Empire, ottoman, il n'y a jamais eu, sauf vraiment rares exceptions, de cas de conversion forcée. Il pouvait y avoir un intérêt à se convertir à l'islam, intérêt fiscal, intérêt de carrière, mais il n'y avait pas, on ne forçait pas les gens à se convertir. Au contraire, les différentes catégories de croyants, une religion révélée, avaient une communauté particulière et s'auto-administraient. C'est ce que l'on appelle le millet, ce qu'on appelait à l'époque ottomane le millet. J'insiste sur ce point parce que ça permet de comprendre une chose très importante. Dans tous les Balkans, les églises orthodoxes assument une dimension nationale. Parce que c'est à partir de ce cadre des millets que se sont formées les identités nationales. Et c'est pour cela que les églises, la grecque, la bulgare, la serbe, c'est la roumaine, c'est partout pareil, ont cette dimension nationale qui surprend effectivement vu d'Occident où on a d'autres traditions. L'autre caractéristique de l'Empire, c'est que les populations vivaient partout mêlées. Vous aviez ces distinctions entre sujets musulmans et sujets d'une autre confession. Vous aviez aussi, il ne faut pas oublier, les différenciations sociales, bien évidemment. Mais partout dans l'Empire, vous aviez des gens qui parlaient différentes langues. Vous prenez n'importe quelle ville, prenez une ville, mettons, comme Yanina, en Épire, au nord-ouest de la Grèce. Il y a un siècle, quelle langue parlait-on à Yanina? On parlait au moins le turc, qui était la langue de la... Enfin, il y a un siècle, un peu plus, il y a 2 siècles, maintenant. 2 siècles, allez, 220 ans, 230 ans, 200 ans. À Yanina, on parlait le turc, qui était la langue de l'administration. On parlait les langues de la religion, c'est-à-dire l'arabe à la mosquée, le grec ancien, le grec liturgique à l'église. On parlait aussi l'hébreu à la synagogue. On parlait les langues vernaculaires. Les langues vernaculaires, c'était le grec, mais c'était aussi l'albanais. C'était aussi la langue des marchands ou des bergers à roumains qui parlaient un dialecte, une langue différente du roumain, le roumain des peuples vivant au sud du Danube. Celle des marchands arméniens qui circulaient dans tout l'Empire. Dans une ville comme Yanina, comme dans toutes les villes de l'Empire, on parlait facilement 10 langues. La même chose est vraie partout dans l'Empire. C'était vrai aussi à Prizren, à Kosovo, à Sarajevo ou ailleurs, avec différents cocktails linguistiques en fonction des populations qui vivaient dans la région concernée. Mais à aucun endroit, vous n'aviez de bloc homogène. Ce qui veut dire que quand les mouvements nationaux ont émergé au début du XIXe siècle, les mouvements d'émancipation contre l'Empire, s'est posé la question, qui se libère? L'idée était celle, on va se débarrasser de la tutelle ottomane pour affirmer nos droits collectifs de peuple et accéder à la démocratie. Mais la question c'est, qui est le peuple? Comment on le définit? Et bien souvent, dans le même espace, dans la même ville, dans la même région, certains disaient, oui, nous le peuple, c'est les Grecs, nous le peuple, c'est les Serbes, nous le peuple, c'est les Bulgares. Parce que les gens vivaient ensemble. Et le critère partout qui a été mis en avant,
c'est définir ce qui pouvait homogénéiser un groupe et marquer sa différence par rapport à l'autre. Nous, nous sommes ceci, vous, vous êtes différents. Parce que vous ne parlez pas la même langue, parce que vous ne pratiquez pas la même religion, les critères pouvaient varier. Tout le 19e siècle, dans tous les Balkans, et notamment en Grèce, a été marqué par ce processus d'émergence d'États, se voulant des États nationaux, ce qui supposait un processus souvent violent de définition de qui est le nous et qui est l'autre, qui est les autres, ceux qui ne sont pas nous. Et toute l'histoire des Balkans, à partir du début du XIXe siècle, a été marquée par deux grands processus d'assimilation, dans certains cas, où des gens se sont dit, ben voilà, on se trouve qu'on va vivre dans les frontières de ce nouvel État, donc on va s'assimiler, ou bien d'exode. Exode notamment des musulmans qui ne voulaient pas rester, ou auxquels on ne permettait pas de rester dans un État qui devenait un État chrétien. La population actuelle de la Turquie, elle est très largement composée de ce que l'on appelle les descendants de Muhajir, de réfugiés. Vous prenez Mustafa Kemal, le fondateur de la Turquie, il est né à Thessalonique, qui aujourd'hui est en Grèce. Et sa famille venait de Dibra, qui est aujourd'hui une commune partagée entre la Macédoine du Nord et l'Albanie. Mais autour de Kemal, la plupart des cadres de l'État kémaliste venaient également des Balkans. Dans le cas des Grecs, les choses étaient un petit peu plus compliqué qu'ailleurs, parce que les gens parlant le grec vivaient un petit peu partout, notamment sur toutes les côtes, tous les rivages de la mer Égée, mais également de la mer Noire, ce que l'on appelle le pont Euxin. Ça ne veut pas dire que dans une ville comme Trébizonde, par exemple, qui est à 700-800 km à l'est de Constantinople, d'Istanbul, sur les rives de la mer Noire, ne vivaient que des Grecs. À Trébizonde, vous aviez, au XIXe siècle, des gens qui parlaient grec, des gens qui parlaient le turc, et puis d'autres encore. Mais les Grecs savaient que leur communauté dépassait très largement les Balkans, allait bien au-delà. Et naturellement, dans le développement du nationalisme grec, s'est forgée cette idée de ce que l'on a appelé la mégalidée, la grande idée de réunir tout le peuple grec, toutes les villes grecques. Les grandes idées dans les Balkans notamment, mais peut-être pas que dans les Balkans, ça se termine souvent toujours très très mal. Et ça s'est effectivement très mal terminé. On est un petit peu là en 2019-2020 sur une logique, sur une logique de centenaire. Parce qu'après la guerre de 14-18, la guerre s'est poursuivie, la guerre gréco-turque. En 1919, l'armée grecque libère la ville de Smyrne, Izmir, sur la côte méditerranéenne de la Turquie. Smyrne pour les Grecs et Izmir aujourd'hui en Turquie. Et qu'est-ce qu'a fait l'armée grecque en libérant Smyrne ? Ben, elle a fait ce que fait toute armée qui libère une ville, elle a brûlé, incendié, pillé, violé, tué tous les gens qui n'étaient pas grecs. Ça, c'était en 1919. En 1920, on sera pile sur la logique de centenaire, en 1920, le traité de Trianon, de Sèvres, a défini les frontières entre la Grèce et la Turquie, en théorie, soldant l'héritage de l'Empire ottoman, mais la guerre s'est poursuivie. Et en 1922, les armées d'Atatürk ont à nouveau libéré Izmir. Et qu'est-ce qu'ont fait les armées turques en libérant Izmir ? Elles ont fait ce que font toutes les armées du monde en libérant une ville. Elles ont incendié, pillé, violé, brûlé, tué tous les gens qui n'étaient pas turcs. La reprise d'Izmir en 1922, ça a été une tragédie considérable pour la population grecque. Une tragédie particulièrement intéressante. Par beaucoup d'aspects, c'est une sorte de répétition générale de choses qu'on va voir très souvent par la suite, tout au long du XXe siècle et encore en ce début du XXIe, notamment la non-intervention occidentale. Vous aviez à Smyrne, quand les armées d'Atatürk ont repris la ville, vous aviez des bateaux de guerre français, britanniques, italiens, qui étaient dans le port et qui avaient une stricte consigne de neutralité. Cette neutralité allait jusqu'au point que les marins avaient ordre de couper à la hache les mains des réfugiés qui essayaient de grimper à bord des bateaux. Il fallait rester neutre.
On n'allait pas prendre de réfugiés. Il n'y a qu'un bateau, italien, le Constantinopoli, qui a violé l'ordre et qui a pris des réfugiés à son bord. Et puis, la Grèce a aussi envoyé quelques bateaux et les gens qui n'ont pas été tués ont pu se réfugier dans l'île la plus proche, qui est l'île de Chios. Puis après, ils ont essaimé un petit peu partout, même si dans l'île de Chios, il y a toujours une très forte communauté de gens de Smyrne qui conservent la culture de, cet exode. Toute cette tragédie de la guerre gréco-turque, elle s'est soldée par le traité de Lausanne en 1923, qui est le premier traité à avoir prévu, organisé des déplacements massifs de populations. Les populations grecques, notamment du pont d'Euxin, des bords de la mer Noire, mais également de toute la côte d'Asie mineure, étant appelées à quitter la Turquie, à quitter l'Anatolie pour aller en Grèce, et les populations musulmanes, on disait turques, de Grèce, étant appelé à faire l'inverse et à aller en Turquie. Il y a eu deux exceptions, d'après les accords de Lausanne. L'une, c'était la ville d'Istanbul-Constantinople, où là, les Grecs ont pu rester, et ils y sont restés jusqu'à d'autres épisodes de conflictualité, notamment ceux liés au conflit chypriote, de manière beaucoup plus récente. Et une région de Grèce qu'on appelle la Thrace occidentale, où il y a toujours un statut particulier pour ce que l'on appelle la minorité musulmane. En réalité, c'est assez amusant parce que cette minorité musulmane, ça fonctionne exactement comme fonctionnaient des milettes ottomans. C'est-à-dire qu'on définit les gens par leur appartenance confessionnelle. Dans la minorité dite musulmane, on dit parfois turc, il y a en réalité des gens qui parlent le turc, d'autres qui sont roms, qui parlent le romani à la maison, et beaucoup qui parlent, qui sont des pomates, donc qui parlent le bulgare à la maison. Mais ils sont tous collectivement des musulmans. Ils sont définis par leur appartenance confessionnelle et le droit privé est toujours régi par la charia. Je vous rappelle au passage qu'on est en Grèce, un pays membre de l'Union européenne. Sauf que la Grèce a toujours... Et en termes de droit international, on considère que le traité de Lausanne l'emporte sur tout le droit communautaire. Et c'est toujours le traité de Lausanne qui régit fondamentalement le statut de la minorité musulmane, entre guillemets, de Thrace occidentale, qui en réalité, bien évidemment, a été maintenue délibérément, je dirais par les deux gouvernements, grec et turc, dans un état chronique de sous-développement durant des décennies. Par exemple, les manuels scolaires, jusqu'à une époque très très récente, enfin, jusqu'au gouvernement de Syriza, de fait, étaient des manuels qui devaient être importés de Turquie, mais qui étaient vieux de 50 ans. Donc c'est avec ça que les gamins, il y a encore quelques années, étudiaient dans les écoles de Xanti ou de Komotini. Encore une fois, de l'Union européenne. Ce statut de la minorité, c'est une sorte d'anti-milette. Ça permet de comprendre comment les choses fonctionnent. Des gens sont restés, malgré tout. Des gens sont restés jusqu'au fin fond des rivages pontiques, jusqu'au fin fond de la mer Noire. Vous aviez notamment, en URSS, des communautés grecques sur les rives de la mer Noire. Et quand l'URSS s'est effondrée, ces Grecs de Russie ou d'Ukraine, ou de Géorgie, pour beaucoup d'entre eux, sont partis vers la mère patrie. Et là, on les a envoyés très souvent en Thrace occidentale pour renforcer la population grecque. Les autorités adorent jouer avec ce genre de manipulation et de statistiques ethniques. Beaucoup se sont également retrouvés à Thessalonique, où ces Grecs de Russie n'ont pas franchement bonne réputation. À tort ou à raison, mais ce sont eux qui sont les ultras des clubs de foot et c'est eux qui sont souvent en première ligne des manifestations nationalistes parce que se sentant d'une part socialement déclassés, ayant cette histoire particulière d'avoir été grec des confins soviétiques, ils se sentent voilà, c'est assez simple de les manipuler déjà pour commencer et ils sont souvent le fer de lance de l'extrême droite à Thessalonique. L'époque Kilkis s'appelait Koukouche et certains des plus grands héros nationaux bulgares et macédoniens du Nord sont natifs de Koukouche, alias Kilkis. La population slave, je vais y revenir, n'est plus là. Mais la ville a été repeuplée par des gens originaires de Soroumi. Soroumi, c'est en Abkhazie, tout au fond de la mer Noire. Des réfugiés qui sont arrivés dans les années 20 et qui ont repeuplé cette ville pour remplacer la population slave. Alors, les gens qui sont arrivés de Soroumi, j'en ai pas vu de vivants, je pense qu'il y a plus de... Ils sont morts, bien sûr, le temps a passé, mais leurs descendants, leurs enfants, leurs petits-enfants ont gardé très fortement ce sentiment, cette conscience d'être les enfants d'un exode.
dans le centre de Kilkis, il y a la maison des réfugiés. Et c'est la maison des gens de la ville, parce que dans la ville, tout le monde est réfugié. Sauf que depuis 6 ou 7 ans, cette maison des réfugiés, elle accueille des réfugiés syriens, puisque les gens de Kilkis sont très fortement organisés pour... Ils ont mis en place de très très beaux réseaux de solidarité pour accueillir les exilés d'aujourd'hui. Et ils le font bien sûr, entre autres, parce qu'ils savent qu'eux-mêmes sont les descendants d'un exil, d'un exode. Ces expériences-là, qui sont toutes traumatiques au bout du compte, marquent encore aujourd'hui très profondément la réalité actuelle de la Grèce. La question de Macédoine, on peut la prendre par tous les bouts. On peut bien sûr remonter au royaume hellénistique de Macédoine. Je ne pense pas que ça soit totalement nécessaire. Ce qui est certain, par contre, c'est qu'existait dans l'Empire ottoman une grande région dont l'identité macédonienne était connue. Les gens qui habitaient cette région-là disaient « Oui, on est macédonien ». Sauf qu'ils le disaient en plusieurs langues. Ils le disaient en grec, ils le disaient en slave. Mais pour eux, par contre, il n'y avait pas de doute. Leur région commune, c'était la Macédoine. Et puis ces gens qui se disaient de Macédoine, ils pratiquaient aussi différentes religions. Certains étaient orthodoxes, d'autres étaient musulmans, beaucoup au passage étaient juifs. Là, des juifs ladinos, des juifs chassés d'Espagne par les rois très catholiques en 1492 et qui avaient trouvé refuge dans l'Empire ottoman. En 1912, la moitié, à peu près, au moins, de la population de la ville de Salonique, était juive. Et dans toute la région, à Pitola, jusqu'à Skopje, partout, à Florina, vous trouviez de très importantes communautés juives où les gens avaient comme langue de communication, comme langue usuelle, comme langue vernaculaire, le ladino, qui est une forme de vieux castillan, qu'ils avaient emmené avec eux dans leur exode. Là aussi, on est toujours sur l'histoire d'un exode. Mais très vite, dans ce processus d'émergence des États nation indépendant, la Macédoine est devenue une pomme fortement convoitée. Dans les années 1890-1900, dans les villages de Macédoine, les trois gouvernements, le gouvernement de Belgrade, le gouvernement de Sofia et le gouvernement d'Athènes, envoyaient, finançaient des réseaux pour essayer de convaincre les gens qu'ils étaient serbes, grecs ou bulgares. Alors les deux instruments d'influence, c'était quoi? C'était le pop. À quelle église le pop se rattachait? Et puis l'instituteur également. Et pour le coup, les gouvernements payaient des instituteurs. Dans le village, alors, grec ou slave, il y a une différence linguistique évidente. Entre serbes et bulgares, on est sur des langues proches, sur un spectre linguistique. Si le pop se rattachait à l'exarchat bulgare, bon, on va faire comme le pop, on est bulgare. Si le pop se rattachait à l'église serbe, on va faire comme le pop, on est serbe. Peu à peu, d'ailleurs, a émergé aussi dans les populations slaves de la région, et ça a été relativement tardif, le sentiment... Non, allez, on va arrêter, on n'est ni serbe ni bulgare, on est macédonien, slave. On a entendu parler de... ce qu'on appelle l'ORIM, l'Organisation Révolutionnaire Intérieure de Macédoine, en slave ça donne VBRO, qui était un mouvement de lutte contre l'Empire ottoman, mais qui était au départ totalement pro-bulgare. Donc cette VMRO se battait non seulement, faisait le coup de feu non seulement contre les gendarmes turcs, contre les gendarmes ottomans, mais aussi contre les gens qui se disaient serbes ou ceux qui se disaient grecs. 1912-1913 ont eu lieu deux guerres balkaniques, prélude à la première guerre mondiale. La première en 1912, c'était tout le monde contre les Ottomans. Donc, tout le monde, les Serbes, les Roumains, les Grecs, les Monténégrins et les Bulgares contre les Ottomans. Et puis après, une fois les Ottomans à peu près chassés des Balkans, ça a été entre soi. Ou plus exactement, tout le monde contre les Bulgares. Avec des combats... Ces guerres balkaniques sont souvent un petit peu oubliées, mais les combats des guerres balkaniques ont été des combats tragiques. J'ai évoqué Kukuj-Kilkis, juste à côté, il y a une des plus grandes batailles de la guerre balkanique, une terrible défaite bulgare avec des dizaines de milliers de morts. Et en termes de techniques de combat, d'armement, c'est véritablement la répétition de la Première Guerre mondiale.
Au final, la Macédoine a été partagée en 1913 aux conférences de Londres et de Bucarest avec ce qu'on a appelé la Macédoine du Vardar, sur à peu près 20 000 km², qui a été donnée au royaume de Serbie. Ce qu'on a appelé la Macédoine du Pirine, donnée au royaume de Bulgarie. Et puis sur 50% du territoire, la Macédoine dite de l'Égée, la Macédoine égéenne, qui a été donnée à la Grèce, au royaume de Grèce. Mais bien évidemment, dans ces trois territoires, il ne faut pas imaginer que vous aviez au nord des Serbes, là des Bulgares et là des Grecs. Les populations étaient mélangées partout, naturellement. Vous savez que dans tous les Balkans, les mouvements de partisans ont été extrêmement puissants. La Yougoslavie et l'Albanie sont les deux seuls pays, et la Grèce, de fait, à avoir été libérés par leur résistance intérieure. En France, il y a eu la résistance, enfin, il y a quand même eu deux débarquements. Tandis que la Yougoslavie a été libérée par les partisans de Tito. Ces partisans de Tito avaient le soutien, ont reçu à partir de début 43, le soutien des Britanniques. Parce que Churchill avait compris que celui qui pouvait gagner la guerre contre Hitler, c'était Tito et pas les nationalistes serbes qu'on appelait les Tchetniks. Il avait envoyé auprès de Tito un émissaire, Fitzroy MacLean, qui dès qu'il a vu Tito, il l'a rencontré à Jarice dans les montagnes de Bosnie, où était l'état-major des partisans, il a été totalement subjugué par Tito. Pourtant, ce n'était pas du tout un communiste. C'est un peu ce Fitzroy MacLean, c'est un peu le modèle qui a servi au personnage de James Bond. Mais il était député, il venait de se faire élire député conservateur d'une banlieue huppée de Londres. C'était donc vraiment pas un communiste. Et il a été subjugué par Tito, et il raconte dans ses mémoires qu'après il revient à Londres, il voit le Premier ministre, et Churchill lui dit « Bon, on va soutenir Tito, très bien mon cher. » Et là, quand même, Fitzroy MacLean lui dit « Écoutez, monsieur le Premier ministre, c'est très bien, mais quand même, Tito est communiste. » Et Churchill lui aurait répondu « Écoutez mon cher, ni vous ni moi n'avons l'intention de vivre en Yougoslavie après la guerre. Notre but est de battre Hitler, se non è vero e ben trovato. » Par contre, Churchill n'aurait jamais dit ça à propos de la Grèce. Parce que la Grèce a ce surinvestissement dans l'imaginaire occidental lié à la Grèce antique. Donc la Grèce devait rester, ne devait pas tomber aux mains des communistes. Devait rester dans le camp du monde occidental. Et là, j'en arrive à une autre période tragique et essentielle pour comprendre la géopolitique de la Grèce contemporaine, qui est la guerre civile en Grèce. La guerre civile a été une tragédie qui explique énormément de choses sur l'évolution ultérieure de la Grèce. Parce que pour gagner cette guerre civile contre les communistes, les Britanniques notamment, qui ont joué un rôle très important, les camps de concentration à Macronissos ou ailleurs, ça a très largement été des camps mis en place avec le soutien de la technologie britannique. Mais les Occidentaux ont fait le choix de s'allier avec ces grandes familles latifondières qui contrôlaient déjà la Grèce et qui ont continué à la contrôler encore plus. Là, on ne parlait pas de népotisme, c'est pas grave, de clientélisme, de corruption. On savait qu'ils l'étaient. Mais l'essentiel, c'était de bloquer les communistes. Au nom de la stabilité, face à un danger, on va pactiser avec des gens dont on sait qu'ils ne sont pas forcément très recommandables. Mais quand on a un ennemi commun, on ne fait pas la fine bouche. Et ce blocage politique de la Grèce, avec ses grandes familles, il dérive directement de la guerre civile. Des dizaines de milliers de personnes ont été chassées de Grèce, de toute la Grèce. Et se sont réfugiées dans des pays voisins qui se trouvaient être des pays communistes pour le coup. Ils sont passés en Albanie, ils sont passés en Bulgarie, ils sont passés en Yougoslavie. Dans le cas de beaucoup de Grecs, de gens qui parlaient grec, le dernier gouvernement de la Grèce populaire qui a battu monnaie, il se trouvait dans un village tout au nord de la Serbie, en Voïvodine, jusqu'en début 50. Après être passé dans les pays communistes des Balkans, on va dire comme ça, certains ont pu partir, notamment depuis le port de Split, pour aller en bateau jusqu'à Tashkent. Et ils ont pu passer les détroits, les Dardanelles et le Bosphore, en fonction de la Convention internationale du Bosphore. On a regardé les bateaux de réfugiés, mais personne ne peut s'opposer à la navigation sur le Bosphore.
Donc les bateaux de réfugiés qui partaient en Union soviétique ont pu passer comme ça au milieu du Bosphore. Parmi ces communistes grecs, il y avait bien sûr des communistes grecs, mais enfin, on a aussi compté assez large. Et notamment dans ces régions du nord de la Grèce, tous les gens qui parlaient slaves ont été réputés communistes. Ce qui a permis d'héléniser la population du nord de la Grèce. Les relations entre la Grèce et la Macédoine du Nord, on ne peut pas les comprendre si on oublie le fait que dans ce qui est devenu la République de Macédoine, indépendante de Macédoine du Nord aujourd'hui, un bon tiers au moins de la population est composé par ce que l'on appelle les Égéites, les Égéens ou leurs descendants. Des gens qui sont nés, ou dont les parents ou les grands-parents sont nés à Salonique, à Florina, à Castoria, enfin dans toute la Macédoine, mais qui ont été chassés en 48-49. Cette histoire, elle n'est pas vieille d'il y a 70 ans, elle est toujours, peut-être, elle était en tout cas toujours totalement d'actualité il y a quelques années. Malgré le blocage politique entre la Macédoine et la Grèce, les relations entre les deux pays n'étaient pas en guerre. Avant la crise de 2008, le principal investisseur en Macédoine, c'était la Grèce. Et les Macédoniens, slaves, depuis 25 ans et même avant, ils vont tous passer leurs vacances en Chalkidiki. Il n'y avait pas de tension entre les peuples. Par contre, des gens nés à Thessalonique ou à Castoria ne pouvaient pas y aller. Parce qu'à la frontière, sur leur passeport, s'il était marqué « né dans une ville de Grèce orthographiée », sous la forme slave, ils étaient systématiquement refoulés par la police grecque il y a encore quelques années. Donc cette histoire, et c'est le cas ben, de gens qui ont, qui sont pas, il y a des gens qui ont 70 ans, 80 ans, qui sont dans cette situation-là. Donc c'est pas une histoire si ancienne que ça, c'est une histoire toujours très actuelle. On parlait, on posait pas les choses en termes ethniques, nationaux ou linguistiques, mais en termes politiques. C'était le monde libre, à savoir la Grèce, et l'enfer communiste. Donc, de ce point de vue-là, on ne se posait pas de questions. Ces Égéites cités se sont intégrés en Yougoslavie, en Roumanie. Ils ont été plutôt pas trop maltraités. Beaucoup d'entre eux, notamment, ont étudié en Roumanie, sont revenus en Yougoslavie. Enfin, il y a eu tout un tas d'allers-retours. Et plutôt, pas mal d'entre eux ont plutôt fait partie des élites, en tout cas des gens qui avaient fait des études. Il y a beaucoup de médecins, par exemple, enfin, des cadres intermédiaires sont issus de cette communauté-là parce qu'ils ont été un petit peu favorisés en Yougoslavie vu ce qu'ils avaient vécu. L'histoire de la Macédoine, elle s'est réouverte au début des années 90, quand la Yougoslavie fédérale, socialiste, a éclaté. Et là, brusquement, la Grèce s'est retrouvée à avoir à ses frontières un pays qui portait le nom de Macédoine. Bon, en soi, c'est pas la fin du monde, quand même. Mais ça a pu être exploité par les nationalistes. Alors, de deux manières. D'une part, il y a eu du côté macédonien, alors là, on est d'accord entre nous, quand je dis macédonien, je pense aux gens de Skopje. Hein. Donc, du côté macédonien, de la République de Macédoine, il y a eu une sorte d'euphorie patriotique qui n'a pas duré bien longtemps, mais qui a existé, avec notamment ce vieux parti, l'Organisation révolutionnaire intérieure de Macédoine, VMRO, qui s'est reformé. Alors, en prenant un nom particulier, le VMRO de Pomenere, c'est-à-dire Organisation révolutionnaire intérieure de Macédoine, mouvement démocratique d'émancipation, d'unification nationale macédonienne. Ce qui, naturellement, a fait peur à certains en Grèce. La Grèce a appliqué, dès 90, un embargo unilatéral contre la Macédoine. Parce que c'est vrai, dans la première constitution de Macédoine, était écrit cet objectif théorique d'unification de la Macédoine. J'ai envie, pour le coup, de rappeler que là où les choses ont toujours été le plus compliquées, c'est dans le Pirine. Dans le Pirine, où les gens parlent tous la même langue, sont citoyens bulgares. Mais la Bulgarie a été régulièrement condamnée par le Conseil de l'Europe parce qu'elle interdit toute manifestation d'identité macédonienne au sens qui ne serait pas bulgare. Donc les partis disant « mais non, on n'est pas des Bulgares, on est des Macédoniens » ont été régulièrement interdits et il y a eu, durant toutes les années 90, une forte répression en Bulgarie qui a valu à ce pays des condamnations tout à fait formelles du Conseil de l'Europe. Entre la Grèce et la Macédoine, la question a été surjouée à
ensuite par différents réseaux nationalistes grecs, notamment l'Église, et notamment dans ces régions du nord de la Grèce, où la question nationale est particulièrement sensible, parce que ces régions du nord de la Grèce, je le répète, sont très largement des régions de réfugiés. Quand vous vous baladez, même dans les doigts de Chalkidiki, vous avez combien de villages qui s'appellent Néa quelque chose, Néo quelque chose? Mais ça, c'est des villages qui existent, qui existaient en Anatolie, dont les gens ont été chassés, sont partis en 23, et ont gardé le nom du village, mais ont dit c'est le nouveau machin truc. Et bien évidemment, les gens gardent le souvenir de cela. Donc, c'est assez facile auprès de ces gens-là d'exciter la carte nationaliste. Et la droite grecque a surfé sur ces courants-là, de manière, je dirais, tellement simple. En même temps, et j'insiste là-dessus, les deux pays, hormis la période vraiment tendue de l'embargo, depuis 1993, les relations entre les deux pays s'étaient parfaitement normalisées. Par contre, la Grèce avait exigé que le pays porte un nom provisoire, qui était celui d'ancienne République yougoslave de Macédoine, ARIM selon l'acronyme français, FIREM selon l'acronyme anglais, qui était le nom sous lequel le pays était reconnu aux Nations Unies, qui était le nom utilisé par les États membres de l'Union Européenne, même si beaucoup de pays dans le monde reconnaissaient la Macédoine sous ce que l'on appelait son nom constitutionnel de République de Macédoine. C'est notamment le cas des États-Unis, de la Russie et de la Chine, donc des pays qui ne sont pas tout à fait petits quand même. La RIM désirait rejoindre l'Union Européenne. La RIM s'est vue reconnaître en décembre 2005 le statut de pays candidat, ce qui veut dire qu'à ce jour, c'est le plus vieux candidat, avec le statut officiel de candidat, après la Turquie. Et après 2005, qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Rien, de rien, de rien, de rien. Parce que Athènes a mis son veto. Si un compromis n'est pas trouvé sur le nom, si le pays ne change pas son nom, nous nous opposons à l'ouverture des négociations et à une éventuelle adhésion. Alors le problème, c'est que, ça on est en fin 2005, c'était pour le coup les sociaux-démocrates qui étaient au pouvoir à Skopje, qui obtiennent ce succès, ils sont tout fiers, oh, on a le statut officiel des candidats, bon néanmoins ils perdent les élections 6 mois plus tard. Et c'est cette VMRO d'Opmenoe qui arrive au pouvoir. Parti issu de la vieille tradition, du nationalisme romantique, etc., etc., se voulant brusquement devenu très moderne, néolibéral, ayant mis beaucoup la pédale douce sur les aspects nationaux, sur le folklore, enfin, on chante toujours les chansons lors des meetings, ou quand on a bu un petit coup, mais ça se voulait avant tout un parti libéral, moderne, responsable, qui promettait la prospérité pour après-demain et l'adhésion européenne pour jeudi soir. Bien évidemment, rien n'est venu. Rien n'est venu parce que le modèle économique du VMRO, qui était le modèle d'ailleurs généralement appliqué dans le reste des Balkans, c'était le cocktail privatisation-investissement étranger. Donc privatisation, ça on sait faire, on revend ou on redistribue aux copains tout ce qui peut avoir un peu de valeur. Par contre, les investissements étrangers, eux, ils se font toujours attendre. Donc ce modèle libéral, il n'a pas pu se marcher en Macédoine qu'en Serbie ou ailleurs. Et en plus de cela, la perspective européenne était totalement bloquée par le veto grec. Donc le VMRO est naturellement revenu à ses vieilles anciennes, c'est-à-dire le nationalisme, comme fonds de commerce, en mettant en place un régime de plus en plus autoritaire, de plus en plus corrompu. La réfection, destruction de la ville de Skopje, c'était ce qui s'appelait Skopje 2014. Il s'agissait de transformer cette ville en une sorte de Disneyland néo-antique. C'est assez terrifiant ce qui a été fait à Skopje. Au début, j'ai pensé, mais ils sont vraiment fous quand j'ai vu les choses. Moi, j'ai vécu quelques années à Skopje, c'est une ville où je reviens très souvent, que j'aime bien. C'était une ville un peu particulière, Skopje. C'est une ville qui a une vieille partie ottomane qui est toujours très belle. La partie moderne a été très largement détruite par le tremblement de terre de 1963. Et ensuite, la ville a été reconstruite selon les plans bases d'un architecte japonais, Kanzo Tage. Donc c'était l'idée de faire une ville futuriste,
d'un socialisme très moderne, du socialisme autogestionnaire yougoslave. Si vous regardez les architectures futuristes de Denki Bilal, il n'a rien imaginé, c'est Skopje. La poste de Skopje, notamment, était un bâtiment très étonnant. Mais ça, c'était très communiste, très socialiste. Donc il s'agissait de faire quelque chose de beaucoup plus beau, néo-antique. Et donc on a cassé, on a fait des façades kitsch. Je me dis, ils sont vraiment fous. Bon, après, en travaillant un petit peu, j'ai vite compris, non, ils ne sont pas totalement fous quand on voit les prix des statues. Ils sont juste corrompus, ce qui, quelque part, est d'un point de vue psychologique plus rassurant. C'est une énorme machine à blanchir de l'argent. Cette délire d'antiquisation a été perçu en Grèce comme une provocation supplémentaire. Je pense qu'une des grosses erreurs de Nicolas Gruevski, le premier ministre nationaliste donc du VMRO, a été d'aller un peu trop loin dans la corruption, l'autoritarisme et le népotisme, enfin bon, ce soit, c'est pas bien grave, de commencer à fricoter un peu avec Moscou. Alors ça n'a pas du tout plu aux Américains. Pour l'OTAN, la région des Balkans en général demeure toujours une région très sensible, pas à cause de la Macédoine, à cause du Kosovo et de la question albanaise. Et on s'est dit, l'OTAN s'est dit, il faut stabiliser les Balkans. Grosso modo, la stabilité régionale, si on donne carte blanche aux oligarques, aux potentats locaux, qui se disent formellement pro-européens, qui peuvent s'en mettre plein les poches comme ils veulent, qui peuvent réprimer la presse, contrôler la justice et favoriser leurs copains, pour peu qu'ils se disent pro-européens, tout le monde est content. Donc cette stabilité de façade des Balkans est quelque chose dont la région est en train de mourir. Mais là, il fallait faire un peu plus. Et ce Nicolas Gruevski s'était mis un peu hors jeu. Donc, et il y avait des mouvements sociaux importants, notamment ce qu'on appelait la révolution des couleurs, qui se développait en Macédoine. Donc, certains stratèges de l'OTAN se sont dit, on va appuyer, on va pousser un changement en Macédoine, dans le but de parvenir à un accord avec la Grèce, parce que l'accord avec la Grèce permettra, non pas de rendre les Macédoniens heureux, ça tout le monde s'en contrefiche, mais permettra qu'il n'y ait plus de veto d'Athènes, non pas à l'adhésion à l'Union européenne, ça tout le monde sait très bien que ce n'est pas pour le mois prochain, ni pour les 10 ans à venir, mais pour l'adhésion à l'OTAN. Puisque Athènes mettait aussi son veto à l'adhésion à l'OTAN. Et donc il y a eu un concours de circonstances qui ont permis la défaite électorale de justesse de Nicolas Gruevski aux élections de décembre 2016, et la formation au printemps suivant d'un gouvernement social-démocrate dont le devoir était de trouver un accord avec Tsipras. Du côté grec, on a aussi dit à Tsipras, on compte sur toi pour signer cet accord. Ça ne sera pas forcément facile parce qu'il y a ce nationalisme qui traîne, et l'accord a été signé quelques mois après, je crois que les mesures de tutelle de la Grèce ont été partiellement levé. Donc les deux chefs d'État, Zaev et Tsipras, n'avaient pas d'autre solution que de négocier. Alors pour le côté rigolo des choses, depuis plus de 20 ans, il y avait une commission des Nations Unies dirigée par le même diplomate chargée de trouver un nouveau nom à la Macédoine. Et en 20 ans, ils ont tout essayé. Macédoine du Vardar, Haute-Macédoine. Et brusquement, au bout de 20 ans, il y a eu l'illumination Macédoine du Nord. Ah ben ça c'est bien sûr, quelle bonne idée, on n'y avait pas pensé avant, mais c'est un accord au bout du compte qui est plutôt utile pour tout le monde, enfin je veux dire en sens que ce conflit était stupide, c'est quelque chose qui n'enlève rien à la Grèce. Les clauses de l'accord, notamment sur la Grèce, a un droit de regard sur la politique historique et mémoriale de la Macédoine, il y a des clauses des accords qui à mon avis sont un petit peu exagérées, mais les Macédoniens ont malgré tout pu sauver l'essentiel, qui peuvent continuer à s'appeler Macédoniens. J'avais envie d'évoquer, pour parler de cette géopolitique de la Grèce, je vais plutôt me concentrer sur le dernier point qui est important. L'OTAN estimait qu'il fallait stabiliser la région en intégrant la Macédoine, par rapport au Kosovo, par rapport à la question albanaise, mais pas que. L'autre gros enjeu, et là on va passer à la carte suivante, c'est bien évidemment la question des réfugiés. Puisque, là pour le coup, on en revient à des déterminants géographiques, entre le Proche-Orient et l'Europe occidentale, ben vous trouvez les Balkans. Et les routes
de l'exil, les routes migratoires, il y en a trois. Vous avez le détroit de Gibraltar, qui est extrêmement difficile à franchir aujourd'hui. Vous avez la route de Méditerranée centrale, qui part des côtes de Tunisie ou de Libye pour aller vers l'Italie, qui est extrêmement dangereuse et qui était en plus totalement fermée, notamment tout l'été dernier par M. Salvini. Et vous avez une troisième route qui passe par les Balkans. Vous avez bien des gens, et ça repart un petit peu en ce moment, des gens qui passent par, de Syrie ou d'Afghanistan, passent en Russie pour passer en Finlande. Moi, j'ai fait des premiers reportages sur les réfugiés en 2012, je crois. La grande crise migratoire, ou la soi-disant grande crise migratoire, c'est 2015. Quand plus d'un million de personnes, 1,3 million, vont utiliser cette route des Balkans entre février-mars 2015 et mars 2016. Alors les règles de Dublin, pour le coup, ne s'appliquent plus depuis 2015. La Grèce en a été exemptée. On a bien considéré qu'il y avait une situation particulière et quelqu'un qui arrive en Grèce n'est pas soumis aux règles de Dublin, un statut particulier. Par contre, la question, c'est une fois que les gens sont en Grèce, comment faire ? Que faire ? Vous avez beaucoup de gens, alors pas seulement des gens de Syrie, également des gens d'Afrique, du Maghreb, d'Afrique noire, du Pakistan ou de plus loin, qui sont restés en Grèce. Dès le début des années, même la fin des années 2000, le début des années 2010, notamment quand Aube Dorée se développe, vous avez des ratonnades contre les étrangers, contre les immigrés à Athènes et partout en Grèce. Vous avez beaucoup de gens, notamment d'Afrique noire, mais pas que, qui sont restés plusieurs années en Grèce pour travailler dans les champs, dans les exploitations agricoles, où il y avait pour le coup besoin de main-d'œuvre. Mais enfin, a priori, tous ces gens qui se trouvaient en Grèce, sauf exception, avaient envie de continuer leur route, surtout quand la Grèce s'est enfoncée dans la crise à partir de 2008. Donc à partir de 2015, les gens ont commencé massivement à passer en Macédoine. La route était Macédoine, Serbie, d'abord Hongrie, ensuite Croatie, Slovénie. Il y a une autre route hein, qui existe, qui part de Turquie pour aller en Bulgarie et rejoindre la Serbie. On parle tout le temps du mur de M. Orban, construit à la fin de l'été 2015, mais dès 2013, M. Borisov, le Premier ministre bulgare, a aussi construit un mur sur la frontière entre la Turquie et la Bulgarie. Et traverser la Bulgarie à pied, en marchant la nuit, en se cachant, l'expérience m'a prouvé qu'il y avait seulement des jeunes hommes afghans de moins de 30 ans en très bonne condition physique qui pouvaient le faire. Marcher une vingtaine de jours en se faisant presque systématiquement tabasser par la police, arrêter quelques jours, relâcher, s'orienter la nuit dans la montagne, tout le monde ne peut pas le faire. La route des Balkans, elle s'est mise en place par étapes. Les flux ont monté tout au long du printemps 2015. En juin 2015, les réfugiés, les exilés n'avaient pas le droit d'utiliser les transports en Macédoine. Donc des petits malins vendaient des vélos 200 euros à la frontière gréco-macédonienne et j'ai vu ces journées complètement hallucinantes où chaque jour il y avait plusieurs milliers de Syriens qui faisaient du vélo sur l'autoroute pour remonter en Macédoine avec des gens, y compris, qui n'étaient jamais montés de leur vie sur un vélo, qui apprenaient à pédaler. Bon. Dès la mi-juin, le gouvernement macédonien a permis aux gens de prendre des transports en commun. Et donc, c'est un corridor humanitaire qui s'est mis en place. C'est rien d'autre que cela. Un corridor humanitaire où les gens, sur chaque frontière, trouvaient des ONG, MSF, MDF, the Danish Refugee Council, toutes les organisations internationales, la Croix-Rouge internationale, le HCR. Et donc, les gens pouvaient emprunter cette route à moindre fatigue, avec le moins de souffrance possible et le plus rapidement possible. Pour le coup, tous les pays de la région avaient fait preuve d'un assez grand pragmatisme, consistant à dire, puisque ces gens veulent aller en Allemagne, nous, ça ne nous sert à rien de les bloquer. On ne va rien y gagner. Autant faire en sorte que leur trajet se passe le moins mal possible. Pour le coup, ça a été une attitude pragmatique et assez réaliste des autorités macédoniennes, serbes ou croates. Un peu rusé, hein, quand même. Les chemins de fer macédoniens, du moment où les gens ont pu prendre le train, ils ont fait la saison de leur histoire en 2015. On s'en payait 25 euros le ticket pour traverser le pays. Bon, il n'y a pas de petit profit, mais il vaut mieux payer 25 euros pour prendre le train que devoir payer 2000 à un passeur.
Dès la fin de l'été 2015, pour le coup, le passage sur la Hongrie a été fermé par le mur de M. Orban. Les gens passaient sur la Croatie et la Slovénie. Je ne vais pas dire que ça a été une grande excursion touristique, mais ça passait, ça allait. En septembre 2015, on était à 10 000 personnes par jour. Et j'ai rencontré des gens qui arrivaient à faire la route depuis la Turquie jusqu'en Autriche en moins d'une semaine. À partir du 14 mars 2016, l'Autriche a fermé ses frontières. Et à partir du moment où l'Autriche fermait ses frontières, toutes les frontières des autres pays, de la Slovénie, de la Croatie, de la Serbie et de la Macédoine, se sont fermées comme des dominos qui tombent. Parce que tous les pays de la région avaient une crainte, c'était que des dizaines de milliers de réfugiés se retrouvent. Des centaines de milliers d'exilés se retrouvent bloqués dans leur pays si la frontière de sortie était fermée. Le 16 mars, l'Union européenne a signé l'accord de la honte avec Erdogan, fermant définitivement la frontière, prévoyant des choses qui ont été totalement oubliées, notamment des quotas, des hotspots et des quotas, ça a été... Il y a juste eu le cas particulier, quand même, de 60 000 personnes qui, en l'espace de quelques jours avant la conclusion de l'accord, se sont retrouvés bloqués en Grèce. Dans les îles, un petit peu, à Athènes, à Thessalonique et dans tout le nord. Également à Yanina, il y avait un très très grand camp. Je parlais de Kilkis, je reviens à cette ville, il y a à côté de Kilkis de très très grands camps qui accueillent toujours des gens depuis 4 ans, donc plus de 4 ans, 4 ans et demi. Alors, ok, il y a des gens qui sont réfugiés depuis plus longtemps que sans Palestine, vous allez me dire, mais bon, et il n'y a pas de solution, en fait. Aujourd'hui, en cet été 2019, on est dans une situation relativement nouvelle. Relativement nouvelle pour plusieurs raisons. D'une part, Recep Tayyip Erdogan a une sorte d'arme de dissuasion nucléaire avec la question des réfugiés. Il lui suffit de dire aux Européens, si vous me critiquez, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je fais, j'ouvre les vannes, je laisse partir 100 000, 200 000, 1 million de personnes, et aussitôt les Européens, Monsieur Erdogan, quoi, le Rojava, le Kurdistan, détail, détail, détail. Donc c'est extrêmement pratique, cet argument des réfugiés. Mais il n'y a pas que ça, parce que pour l'instant, Erdogan n'a pas ouvert les vannes. Par contre, la situation des réfugiés en Syrie, non, en Turquie, excusez-moi, se détériore. Les choses ont changé depuis un an. Parce que l'économie turque a moins besoin de cette main-d'œuvre complémentaire. Parce que les gens originaires de Syrie, ils bossaient, ils travaillaient. Mais on a moins besoin d'eux. Du coup, les gens commencent à se dire, ben non, ils ne sont pas utiles, et au contraire, ils coûtent de l'argent. Argument classique. Les autorités turques ont mis en place des politiques de plus en plus restrictives, notamment en assignant les gens à certaines régions, à certaines provinces de Turquie. Donc il y a de plus en plus de gens qui quittent la Turquie. Surtout, il y a de plus en plus de gens venus d'ailleurs, qui transitent par la Turquie. Des gens qui viennent d'Iran, des gens qui viennent du Bangladesh, des gens qui viennent du Pakistan, des gens qui viennent d'Afghanistan, des gens qui viennent de tout le Maghreb et qui peuvent rentrer sans visa en Turquie. Donc aujourd'hui, la route migratoire, c'est prendre l'avion depuis Alger, depuis Marrakech, jusqu'à Istanbul, et ensuite de passer clandestinement en Grèce pour continuer la route. Que depuis le début de l'année 2019, le nombre des réfugiés présents sur les îles grecques, qui était déjà très élevé, a dramatiquement augmenté. Du temps du gouvernement Syriza, il y avait une assez grande souplesse, les gens pouvaient se déplacer. Depuis la victoire de Kyriakos Mitsotakis, la politique officielle grecque était « les gens qui sont sur les îles ne peuvent pas en sortir ». Il y a eu cet été, en septembre, des incendies à Moria, dans le camp de Moria, donc à Lesbos, et également à Samos également, il y a eu des incendies meurtriers qui ont provoqué après des émeutes dans les camps. Et donc là, le gouvernement a été contraint de rapatrier des gens sur le continent. Mais les gens continuent à arriver. Les gens ont continué à arriver. Je n'ai pas aujourd'hui, à ma connaissance, de chiffres fiables sur le nombre de gens qui seraient présents aujourd'hui sur le territoire grec, mais il est élevé, et les gens s'engagent à nouveau dans la route des Balkans. Alors, aujourd'hui, il y a deux routes. Il y a toujours la route de la Macédoine,
puis de la Serbie, mais maintenant les gens vont en Bosnie-Herzégovine dans l'idée d'arriver dans cette pointe nord-ouest de la Bosnie, dans la région de Bihać, où on est, regardez à Bihać, on est tout près de la Slovénie. Il y a un tout petit bout de Croatie à traverser, il y a 50 km de Croatie à traverser pour se retrouver en Slovénie, membre de l'espace Schengen, et puis tout près de l'Italie. Le canton de Bihać s'entasse aujourd'hui 8000 personnes. C'est majoritairement des Syriens, des Afghans et des Pakistanais. Il y a des camps qui sont gérés par l'OIM, pas par le HCR, mais par l'Organisation internationale des migrations, par délégation, par substitution de compétences que l'État de Bosnie-Herzégovine n'est pas capable d'assurer. Il y a 3500 personnes qui sont dans les camps gérés par l'OIM, où l'OIM donne la priorité de manière relativement compréhensible aux familles, aux mineurs isolés et aux gens ayant des besoins médicaux particuliers. Mais aussi tous les Maghrébins, beaucoup de gens du Pakistan ou d'Afghanistan n'entrent pas dans ces catégories-là. Donc eux vivent dans des squats, dans des anciennes usines abandonnées, ou bien s'entassent dans un camp qui s'appelle Vučjak. Moins, il y a 1000 personnes à peu près, mais c'est des conditions que j'ai jamais vues par ailleurs. Où le camp a été établi le 16 juin de cette année sur le territoire d'une ancienne décharge. Donc vous avez toujours des immondices partout, le sol est gorgé de tous les bons produits chimiques qu'on peut trouver dans une décharge, et en plus de ça, tous les abords du camp sont minés. Et la zone a été très disputée durant la guerre, et ça n'a pas été déminé. La Croatie n'est qu'à une heure de marche, même pas, mais il faut juste faire gaffe à ne pas sortir du chemin. Il y a une cinquantaine de tentes qui ont été fournies par la Croix-Rouge turque, et c'est tout. Les sanitaires qui ont été montés à l'été, c'est quelque chose qui ne marche plus. Il y a des douches à l'air libre qui sont elles-mêmes jonchées d'immondices. Donc les gens font leurs besoins dans la nature. Les ONG ne veulent pas cautionner ce qui se passe à Vučjak, donc ils n'y interviennent pas. Tous les jours, les gens qui sont à Vučjak tentent ce qu'ils appellent le gain, le jeu. Donc le gain, c'est passer la frontière croate. Les gens partent vers 14h30. Pour passer la frontière croate et essayer de marcher vers la Slovénie. Ils se font presque systématiquement attraper, soit juste après la frontière, soit un peu plus loin à l'intérieur de la Croatie. Et là, tous les témoignages que j'ai eus sont parfaitement tous concordants. Les gens avancent en groupe plus ou moins important. Quand la police croate arrête les gens, on les fait asseoir. Il faut d'abord donner l'argent, qui est consacré aux bonnes œuvres de la police croate. Ensuite, on invite les gens à mettre leur téléphone, leur smartphone devant leurs pieds. Ils sont brisés par la police croate. Ensuite, les gens doivent enlever leurs chaussures, enlever leurs vêtements chauds, déposer leurs sacs. Et les chaussures, les vêtements chauds et les sacs sont brûlés devant les yeux des gens. Qui ensuite sont renvoyés pieds nus et en caleçon, ou enfin avec des vêtements légers, dans la montagne, vers la Bosnie-Herzégovine. Ça, c'est ce qui se passe tous les jours. La Croatie a régulièrement été félicité par l'Union européenne pour sa bonne gestion de la frontière extérieure de l'Union et a reçu un avis favorable à son entrée dans l'espace Schengen. Aujourd'hui, parler de la géopolitique de la région, c'est bien évidemment des choses qui sont surdéterminées par cette question-là. Parce que l'enjeu, et j'en reviens à cet argument de la stabilité régionale tant mise en avant par les Européens, l'enjeu, c'est que cette zone des Balkans serve de zone tampon protégeant les frontières extérieures de l'Union. Dans le regard occidental, dont je parlais au début, tout à l'heure, il y a cette fameuse conférence de Michel Foucault au Collège de France qui fait la distinction entre les sauvages et les barbares, tels que les concevait l'Empire romain. Les sauvages, c'est des gens totalement différents, inassimilables. Les barbares, c'était ceux qui étaient sur les frontières qu'on pouvait un petit peu romaniser. En tout cas, on pouvait collaborer avec eux. Et dans la vision occidentale, les balkaniques, c'est les barbares. C'est les peuples fédérés de l'Empire romain qui avaient la fonction de garder le limesse. Les sauvages, ils viennent d'ailleurs du Pakistan, du Maroc, de ces pays tellement dangereux. Et la fonction qui est dévolue aujourd'hui aux Balkans, c'est de garder les frontières extérieures. Et pour cela, les Européens s'accommodent parfaitement de dirigeants autocratiques, kleptomanes, corrompus, comme Milo Djukanovic au Monténégro, comme Aleksandar Vučić en Serbie, parce qu'ils garantissent cette stabilité
Et du côté de la Grèce, je dirais que ça soit Tsipras ou Mitsotakis, ce que l'on veut, c'est que la Grèce applique la feuille de route sur l'immigration. C'est aujourd'hui le point le plus important, parce que tout le monde a très peur d'une reprise importante de cette route migratoire, qui ne s'est pas produite en 2019, pour le coup. Saluons les succès des politiques sécuritaires. C'est vrai qu'il y a beaucoup moins de gens qui sont arrivés dans l'Union européenne en 2019 du fait de la fermeture de la mer Méditerranée et de la fermeture, de fait, de la zone des Balkans. Mais ça, c'est comme de vouloir arrêter la mer. Ça ne marche pas. On crée beaucoup de souffrances, on fait des affaires des réseaux de passeurs, mais tôt ou tard, ça reprendra. Vous avez des ressortissants d'un très grand nombre de pays qui peuvent se rendre sans visa en Turquie. Prenez les événements actuels en Iran. Un Iranien, il arrive sans visa en Turquie, pas en Grèce. Donc, assez probablement, vu la répression actuelle en Iran, il y a beaucoup de gens qui vont fuir l'Iran et qui vont arriver en Turquie et qui ensuite devront s'engager dans les filières des passages clandestins des frontières. Il y a un an, la Serbie avait levé les visas pour les ressortissants iraniens et ouvert un avion Téhéran-Belgrade. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont arrivés. La Serbie a fait machine arrière, les Européens ont dit « oulala, qu'est-ce que vous faites là ?» Aujourd'hui, la route Grèce, Macédoine, Serbie, Bosnie est plutôt utilisée par les Afghans, les Pakistanais et les Bangladeshis ou les Indiens, tandis que la route Grèce, Albanie, Monténégro, Bosnie est notamment utilisée par les Maghrébins, Tunisiens, Marocains, Algériens. Du coup, en Albanie et au Monténégro, les autorités font comme si elle n'était au courant de rien. Elle n'empêche pas les gens de passer, mais il n'y a à peu près aucune aide qui soit apportée, sauf au niveau des gens. Et en Albanie, il y a une belle solidarité à l'égard des réfugiés, des exilés qui traversent le pays. Des gens qui donnent à manger, qui donnent un logis, qui permettent de se doucher, de se soigner. Sur le néo-ottomanisme, la période néo-ottomane, c'est les années 2000, pour Erdogan. Et c'est quelque chose d'assez cohérent. Vous avez, si vous voulez, deux modèles politiques. Vous avez le modèle de l'État kémaliste, qui est un modèle qui a longtemps été incarné par le Parti républicain du peuple et par l'armée, un modèle centraliste, d'un État ultra-centralisateur, encore plus que la France, monolithique, où tout le monde est supposé être turc et le doigt sur la couture du pantalon. Or, on sait très bien qu'en Turquie, il n'y a pas que des Turcs, même qu'à la limite, c'est un peu compliqué d'en trouver des Turcs en Turquie, parce que tout le monde vient de quelque part, avec tous ses descendants de Mouadjir, que la population, elle se compose de tout ce que vous voulez, d'Arméniens qui ont été islamisés il y a 3 siècles, bien avant le génocide, de gens qui ont toutes les origines possibles et imaginables, à Trébizond, si vous grattez un peu, derrière tous les gens qui sont Turcs, ben oui, mais j'avais quand même un grand-père qui était grec, bon, aujourd'hui encore. Toute cette diversité, c'est la réalité de la Turquie aujourd'hui. C'est ce qui en fait un pays que j'aime bien, un pays intéressant. Dans la vision néo-ottomane que portait Erdogan au début des années 2000, au contraire, on mettait en valeur ses origines diverses. Et c'est le moment où Erdogan a fait énormément d'ouverture par rapport aux Kurdes. Mais pas que. Également par rapport à ce qui reste de la petite communauté arménienne. Moment où la toute minuscule communauté grecque de Turquie a pensé, notamment l'Église orthodoxe, que des choses allaient pouvoir avancer. On parlait de la réouverture du séminaire sur l'île des Princes, des choses qui ont failli se faire. Ça, c'était les années 2000. Parce que dans la vision ottomane, on est sur un modèle impérial où il y a différentes identités, différentes religions, et où tout le monde doit cohabiter en paix. Donc il y avait cette vision-là très réelle, portée dans cette vision-là, qui a représenté une véritable ouverture énorme en Turquie des intellectuels venus de la gauche qui se sont ralliés à Erdogan sur ce thème-là. Modèle néo-ottoman, qui était surtout porté par le ministre des Affaires étrangères, Davutoğlu, lui-même originaire des Balkans et connaissant par cœur toute la politique balkanique, il y avait cette idée, la Turquie n'a aucun problème avec tous ses voisins. Donc la Turquie a de bonnes relations avec tout le monde. Bonne relation avec tout le monde, donc avec les Balkans, avec le Caucase, avec la Grèce aussi naturellement, avec la Russie et avec le monde arabe et avec Israël. Bon. Alors avec Israël, ça a commencé un petit peu à changer dès 2010 au moment du Mavi Marmara, le premier bateau, la première flottille de la liberté qui a été attaquée par les gardes de l'armée israélienne avec pas mal de morts. C'était un bateau turc, hein, le Mavi Marmara.
Donc avec Israël, les choses se sont vite tendues, mais pour Erdogan, privilégier le monde arabe. Tout ça faisait sens. Et puis, ce modèle s'est rompu, je pense, avec la guerre de Syrie, avec l'échec de la révolution en Syrie, le basculement du pays dans la guerre civile, les évolutions politiques internes à la Turquie, le fait qu'Erdogan a quand même mis sur la touche deux des grands piliers de cette politique, qui était le président Gül, et puis Davutoğlu, qui a été Premier ministre et qui ensuite a été ministre des Affaires étrangères durant longtemps, brièvement Premier ministre, et puis il a été viré juste après, avant ou après le coup d'État de 2016. Enfin, tout ça est lié. Il y a vraiment un basculement qui se fait où la Turquie rompt avec, je dirais, cette vraie politique néo-ottomane. Il n'est plus question, déjà pour commencer depuis 2016, de la diversité des cultures ou de la variété intérieure. Là, il faut à nouveau que tout le monde marche très sérieusement au pas. Un climat de répression d'une violence extrême, avec à côté de ça un modèle néolibéral très, très, très fort. Hein. Erdogan, c'est avant d'être tout ce qu'on veut, un islamiste, un machin truc, c'est d'abord et avant tout une politique néolibérale visant à la promotion des élites de l'Anatolie centrale. C'est quand même ça, sa base électorale, sa base sociologique, et ça a plutôt bien marché. Entre la Grèce et la Turquie, vous avez un nombre incalculable de sujets qui fâchent que vous pouvez toujours ressortir à tout moment quand il y a besoin. Vous avez la trace occidentale, vous avez la question d'Istanbul, vous avez la question de l'église orthodoxe, vous avez la question de certaines ressources offshore, notamment au large de Chypre. Il y a une belle enquête de points de litige ou de tension potentielle. Là, par exemple, après la tentative de coup d'État de 2016, pas mal, beaucoup de Turcs se sont réfugiés en Grèce. Il y a notamment eu le fameux cas d'un hélicoptère, de soldats qui s'est réfugié en Grèce. Là, ça a créé quasiment un casus belli entre les deux pays. Mais d'une manière générale, il y a beaucoup de gens aujourd'hui turcs qui ont demandé l'asile en Grèce. Les relations entre la Grèce et la Turquie, comment dirais-je, sur le fond, elles sont excellentes. Je veux dire, les deux pays sont membres de l'OTAN, les deux pays n'ont pas de conflits territoriaux, sur le fond. Il n'y a pas de problème particulier, mais il y a tous ces vieux petits cadavres dans le placard qu'on peut ressortir à tout moment pour provoquer une crise. Mais la Grèce, pour le coup, a des problèmes plus sérieux avec la Macédoine ou avec l'Albanie, mais il y a toujours là, pour le coup, des lacs de l'histoire qui ne sont pas réglés. Du coup, la Turquie reste un pays très présent dans les Balkans. Dans les années 90, la Turquie soutenait essentiellement la Bosnie-Herzégovine sur l'idée d'une solidarité post-impériale, là, pour le coup. Aujourd'hui, la Turquie alors, a toujours des relations particulières avec la Bosnie-Herzégovine. Le SDA, le parti bosniaque musulman de Sarajevo, c'est une antenne locale de l'AKP. Et il n'y a pas un meeting du SDA, le parti d'Aliye Izetbegovic, maintenant de son fils, de Bakir, il n'y a pas un meeting électoral du SDA où il n'y a pas un message d'Erdogan ou des envoyés de l'AKP qui viennent. Le grand meeting, lors des dernières élections turques, le grand meeting d'Erdogan en Europe pour les travailleurs turcs en Europe n'a pas pu avoir lieu en Allemagne, il a eu lieu à Sarajevo. On a fait venir des dizaines de milliers de Turcs, vraiment, c'était énorme. Des dizaines sont arrivés en bus à Sarajevo, le meeting avait lieu là. Donc il y a cette relation très forte. La Turquie est présente économiquement partout, notamment en Serbie. Elle est très présente en Serbie, elle est présente au Kosovo, elle est présente en Albanie. Erdogan a bien évidemment obtenu l'arrestation des supposés gulenistes un petit peu partout. Hein. Alors qu'il y avait un réseau d'écoles liées à Fethullah Gulen très important dans tous les pays des Balkans. Ces écoles ont été quasiment partout fermées, en Bosnie, au Kosovo, en Albanie ou ailleurs. Il y a eu dans certains cas des mobilisations. Je pense à certains endroits en Bosnie-Herzégovine. Il y avait des profs gulenistes qui avaient une bonne image et les gens se sont révoltés. Pourquoi est-ce qu'ils sont arrêtés? Là, il y avait raison d'État. Mais aujourd'hui, la Turquie est un pays qui est quand même, malgré tout, surtout obnubilé par ce qui se passe sur sa frontière sud-est, du côté syrien, et au Kurdistan de manière générale. Et quant au modèle néo-ottoman, je pense qu'il y avait une certaine cohérence de ce modèle qui aujourd'hui n'est plus à l'ordre du jour. Est-ce que ce régime d'Erdogan va rester sur un modèle de fermeture totale et de répression très forte durant longtemps? J'aurais envie de dire que non. Parce que, encore une fois, Erdogan est
Et les gens qui le soutiennent sont des libéraux qui savent qu'à un moment, la société a besoin de pas fonctionner que sur la répression. Ça ne peut pas marcher. Comme ce qu'il caractérise, c'est une très grande plasticité. Il est quand même capable de défendre des politiques très contradictoires depuis le début de sa carrière. Parce qu'il y aura sûrement des évolutions en Turquie. Voilà. Merci.